Salut à tous, les amis. Je fais ce, cette petite aparté euh, avant le début de la vidéo pour vous prévenir euh, que vous pouvez euh, rejoindre le Discord. Donc on a mis en place des salons euh, pour Genshin, pour les codes qui sont mis en place par les développeurs et aussi pour toutes les infos qui tombent au niveau des mises à jour, des dates, des petites astuces, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur jeu. Sur ce, bonne vidéo à vous, des bisous. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et euh, je voulais parler d'une un, ou deux petites choses que je vais combiner ensemble parce que je ne sais pas vraiment combien de temps ça va me prendre. Euh, donc ce week-end, j'ai fait un live et euh, je me suis retenu de ne pas les utiliser parce que ça aurait pu me faire avancer plus vite au niveau des XP. Et au niveau des, des gains d'objets tout simplement Mais je voulais à tout prix en faire une vidéo Donc je ne l'ai pas fait dans mon live Comme ça je n'ai pas besoin de découper le live euh, Je découperai sans doute le live pour quelques, quelques petits euh, combats que j'ai fait Et que je trouve vachement intéressant euh, Le live vous le trouverez sur Youtube bon, Moi, il y a quand même 2 heures, heures et quelques de live Donc c'est pour ça que je vais quand même prendre le temps de le découper Pour les trucs les plus intéressants Alors dans cette vidéo je voulais parler donc de catherine la réceptionniste de la guilde des aventuriers et je voulais aussi je me suis trompé de touche parler de euh, du fameux guide des aventuriers en fait que vous allez débloquer quand vous allez arriver dans cette ville en fait on va vous demander de parler euh, de faire deux trois petits trucs et de parler à catherine et en fait si vous voulez elle va vous expliquer que vous, avez, vous pouvez rentrer dans la guilde des aventuriers, blablabla, bla bla, et elle va vous donner ce livre. Et en fait, ce livre va vous permettre, euh, plus ou moins, d'avoir un enchaînement euh, de choses à faire, de quêtes, de choses à faire, à récolter, à activer, ou comme là, aller voir la statue, euh, activer 3 points de téléportation, ouvrir 15 coffres. Et en fait. Plus vous allez avancer, plus il va y avoir de quêtes. Donc, moi, sur le coup, je n'avais pas fait attention quand je l'ai reçu. Euh, J'ai tout de suite collecté. Je me suis dit, ah, je pourrais le faire en vidéo et tout. Donc, le chapitre 2, je ai pas touché en fait. Et euh, voilà. Donc, vous voyez que, arrivé au chapitre 2, il faut activer 6 portails de téléportation. Donc, ça, c'est bon. Je l'ai fait. Ouvrir 30 coffres, c'est fait aussi. Éliminer le criomage de l'abîme, c'est fait. Alors, tout ça, cuisiner 5 plats, c'est fait. Euh, renforcer une arme jusqu'au niveau 10, c'est fait. Et équiper un personnage avec quatre artefacts, c'est fait. Alors tout ça, je l'avais fait avant même, si vous voulez, d'avoir le guide. Parce que je suis quelqu'un qui adore explorer et tout ça. Et donc avant de faire les quêtes, moi, j'ai fait le tour euh, du monde. Euh, je, je tapais euh, des mobs qui n'étaient pas du tout de mon level. Enfin, euh, voilà. Et donc, j'avais la plupart des choses, je les avais faites avant même d'avoir... Euh, de recevoir le guide donc tout le chapitre 1 était déjà fait et le chapitre 2 jusqu'à là était déjà fait il me manque juste monter la statue de 7 de mon stade au niveau 4 et je crois que je l'ai déjà découverte mais en fait j'ai pu la monter que au level euh, 1 parce que j'avais pas assez de de kamenus je crois si je ne me trompe pas et là je viens de passer niveau 10 d'aventure donc vous voyez que vous gagnez énormément quand même vraiment énormément de, enfin, ça vous aide à gagner pas mal de points au final. Donc, on va juste aller, avant de parler à Catherine, on va juste aller voir cette fameuse statue. Alors, euh, les statues, est-ce qu'on les voit On est, on est censé les voir, les statues, je crois. Et je sais pas par quel signe ils sont censés se Non, en fait. Attends. Comment je fais pour le supprimer, ce truc Ah, voilà. Je crois qu'on les voit, les statues. Mais je ne sais pas du tout par quel signe on est censé les voir, logiquement. Vous verrez aussi que depuis mes dernières vidéos, j'ai débloqué là les fameuses euh, recharges de résine originelles. C'est très important de les utiliser, les, ré les résines originelles. De les utiliser en leur totalité avant chaque déconnexion. C'est très important. Donc là, c'est la statue... Voilà, c'est ça, les statues de 7. Ok. Euh, Statut de 7 d'Ameno... Euh, eau du mornement, mon C'est ça Voler ton toile... Valer de ton toile. Euh, je sais pas si c'est ça. On va aller voir. On va aller voir pas s'ils disent euh, la statue tac tac. On revient vite dessus monter la statue de 7 de Monster. Et là, on est c'est quoi ça Statue de 7 ameno Ah, c'est statue de 7 ameno Donc je l'ai peut-être pas en fait la statue de 7 de Monster encore. Je sais pas où je, je croyais que je l'avais. Mais apparemment je ne l'ai pas. Statut de 7 Ameno. Statut de 7 euh, anemo. Non, je crois que je l'ai pas. Ah c'est emmerdant ça. Bon, elle doit elle doit forcément. Si ça se trouve, elle est euh, elle est vers ici en fait. Hein. Elle est peut-être à l'intérieur, quelque part, ici. Je sais pas. Bon bah étant donné que je, je ne je, je, je sais pas laquelle c'est, je vais vous montrer avec celle-là, mais je crois que je l'ai déjà activée au maximum celle-là, si je ne me trompe pas. Faire une offrande. Ah non, voilà, je l'ai niveau 3, donc c'est celle-là que je parlais. Donc j'ai cette statue au niveau 3, c'est-à-dire que j'avais euh, un seul matériau euh, anémoculus, donc il vous faut des anémoculus. Pour en fait euh, les monter en level et là on voit que je, pou je pouvais en mettre 4 mais il m'en restait qu'une étant donné que j'avais déjà activé auparavant une autre statue euh, donc il m'en restait plus qu'une donc sur le coup on va la monter au maximum voilà et donc vous voyez que je monte en endurance euh, et je vais gagner aussi ce qu'il y avait à côté voilà donc plus suite euh, sur le coup je pourrais encore la monter et à chaque fois que vous allez les, les monter, les statues, en fait, vous allez euh, gagner en endurance, en XP d'aventure, en primo gem, etc. Donc là, je lui ai tout donné. Je n'en possède plus. J'en rechercherai, ça, c'est pas grave. Je ferai euh, un truc spécial. Euh, vous voyez là, hop, j'ai gagné 160. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais attendez, je crois que finalement, la mission, on l'a peut-être quand même, même faite. Voilà. Au final, on l'a fait. Donc on a fini le chapitre 2. On peut le récupérer. Tac. On passe au chapitre 3 et vous voyez que le chapitre 3, à force d'exploration, j'ai déjà pas mal de choses qui sont faites. Donc activer 10 points de téléportation, aller voir la statue au domaine de l'aurore, ça c'est fait, ouvrir 45 coffres, c'est fait et faire forger un objet, c'est fait. Voilà. Donc vous voyez que là il va me rester euh, ces 4 là et ainsi vous allez à chaque fois hein, il va y avoir des je pense j'imagine des missions en plus et vous allez gagner euh, certaines choses et en plus vous allez gagner surtout beaucoup de d'xp euh, au niveau euh, des xp au niveau de l'aventure voilà et là c'est là où je voulais en venir pour les combats voilà, ici vous avez les recharges de résine, donc les fameuses euh, résines que je vous parlais. F il faut les utiliser en fait, tout simplement. Il faut les utiliser euh, avant chaque déconnexion parce que ça se recharge au fur et à mesure du temps. En fait, tout simplement. Et donc, quand, euh, quand vous êtes prêt à déconnecter, vous utilisez vos résines comme ça, vous pouvez collecter euh, ce que vous avez besoin. Vous cherchez suivant ce que vous avez besoin, suivant ce que vous cherchez. Euh, vous y allez, vous, vous voyez le coût que ça vous coûte en résine, et comme ça après vous déconnectez, et après euh, ça se recharge au fur et à mesure du temps que vous êtes déco. Sur le coup, on va retourner en ville, parce qu'avec tout ça, il y a Catherine qui a son importance aussi dans cette histoire. Donc Catherine, c'est la personne qui va vous donner le manuel du guide de l'aventurier. Mais à côté de ça, chaque level d'aventure que vous allez passer, en fait, vous allez pouvoir aller la voir tout simplement et vous faites récupérer les récompenses de niveau d'aventure. Donc, ça, c'est une chose qu'elle m'avait dit, mais sur le coup que j'avais pas forcément assimilé. Je pensais que moi, elle me parlait de récupérer les récompenses euh, quand elle m'avait dit que. On pouvait récupérer les récompenses. Je pensais qu'elle parlait du manuel directement. Mais en fait, c'est deux choses bien distinctes. Donc vous avez les récompenses du manuel que vous allez pouvoir récupérer quand vous faites les missions et quand vous finissez un chapitre. Mais quand à chaque level en fait, d'aventure que vous allez passer, vous pouvez aller chez Catherine pour récupérer encore des récompenses de niveau d'aventure. Donc là vous voyez que la dernière fois que je lui ai parlé, j'ai pu récupérer jusqu'au 7. Parce que quand je lui ai parlé, j'étais niveau d'aventure 7. Aujourd'hui. On vient de passer ensemble 10. Donc, je vais pouvoir récupérer le niveau 8. Le niveau 9. Et le niveau 10. Voilà. Tout simplement. Et euh, ayant vérifié, ça va. Le niveau d'aventure va jusqu'au level 60 actuellement. Euh, Peut-être. Ça ira plus loin au fur et à mesure des mises à jour qui sortiront. Euh, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de du guide de l'aventurier, à moins que j'ai oublié quelque chose et que je revienne dessus dans une prochaine vidéo, mais je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et le commentaire, et sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao